السلام عليكم مزول في اللون بونجور. On dit qu'il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, ni de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dans notre cas, c'est autrement pire, puisqu'on réduit au silence ceux qui voient et constatent une recolonisation de l'Algérie qui ne prend même plus la peine de s'en cacher, mais qui, au contraire, semble s'en vanter. La seule différence avec la colonisation d'avant est que la France n'envoie plus ses soldats au casse-pipe algérien. Les agents français de la France sont maintenant chez nous, depuis le clan présidentiel jusqu'aux principaux chefs du régime et même de l'armée. Ils veillent au grain, ils sont tous là, le doigt sur la couture du pantalon, déployant des génies de zèle pour contenter le maître français. Non pas la France officielle, mais celle du clan qui la dirige, qui est majoritairement constituée de gens totalement impliqués dans les réseaux sionistes, lorsqu'ils n'y sont pas juste inféodés, corps et âme, et carrière surtout. Cela avait toujours été le cas, de toute façon, depuis 1962, malgré les discours pétaradants, tonitruants, rythmés par une claque à tout rompre, ces logorées anti-françaises n'étaient destinées qu'à la consommation des gogos en vérité. La France-Algérie a toujours été une sorte de coopération soutenue et très intime, à la différence des autres coopérations. Contre la France et l'Algérie, il y a toujours eu un chef et un subordonné. Le chef, c'est-à-dire la France, ou une certaine France, une sorte de proconsul à distance, qui décide de tout ce qui intéresse ses intérêts particuliers ou nationaux et laisse les détails aux gardes chiourmes algériens, dont la seule vraie mission est de garder le bon peuple en laisse. En contrepartie, bien sûr, les dirigeants algériens, toujours élus dans de grosses farces électorales, ont toujours joué à entretenir leur peuple dans la haine de la France, pour qu'ils ne se rendent compte de rien. Et surtout, parce que la France, doit être méconnue des Algériens, parce qu'elle est la plaque tournante de leur gros trafic, celle du blanchiment de leur argent, mais aussi leur principal pied-à-terre, où vivent leurs familles, où ils disposent de fortunes faramineuses, inimaginables, que vous ne pourrez jamais vous imaginer. Où c'est devenu le pays de leur engeance, c'est le pays de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Lors de l'interruption du processus électoral en 1992, la France est directement entrée dans la gestion du tableau de bord. Elle a très vraisemblablement, et de l'avis de tous les spécialistes sérieux, donné son feu vert, une sorte de hochement imperceptible de la tête pour tous les complots des généraux. Depuis l'assassinat du président Boudrieff, ce que le fils de Boudrieff lui-même nous a confirmé sur cette antenne, jusqu'au terrorisme pédagogique qui a coûté la vie à 200 000 morts et dont l'un des principaux décideurs, Smaïl Amari, était l'ami intime du patron de la DST, Yves Bonnet, et ce dernier ne s'en cache pas, il le crie même sur tous les toits qu'il est l'ami de Smaïl Amari. L'histoire et les témoignages le révéleront bien un jour de toutes les façons. Mais cette coopération, depuis l'ère de Bouteflika aux affaires, et surtout depuis qu'une formidable manne céleste est tombée dans le giron du régime, par la grâce des prix des hydrocarbures, la coopération, entre guillemets, s'est accélérée. L'Algérie est devenue française, sans les inconvénients du colonialisme brutal. Française par télécommande. Française parce que c'est la France, ou plutôt une certaine France, celle de certains milieux, qui décide de ce que doit être la marche à suivre en Algérie pour
tout ce qui concerne l'orientation générale de sa politique et de son économie. Comme Bouteflika est tombé malade en 2005, là où il eut son premier AVC, ce que personne n'a encore dit à ce jour. Ce fut le commencement d'une prise de contrôle quasi totale sur le régime dans son entièreté. La France avait trouvé en Saïd, le petit frère du président Bouteflika, celui qui allait remplacer le président en titre, jusqu'à occuper son bureau, jusqu'à signer lui-même de sa propre main, au nom de son frère, des décrets présidentiels en tout genre, jusqu'à décider qui doit être nommé et qui doit être dégommé. C'est cette même France, avec ce même président par substitution, Saïd, qui a nommé des centaines de généraux, qui les a dotés d'enveloppes et de rentes faramineuses, qui a mis tout le haut commandement dans sa petite poche, et c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. C'est cette même France, lors du deuxième AVC de Bouteflika, qui décida de le recevoir au Val-de-Grâce, puis aux Invalides, pour prendre le contrôle de la totalité de la situation. Lorsqu'il s'avéra que le président en titre ne pouvait pas rempiler pour un quatrième mandat en fonction de sa totale incapacité, confirmée par les meilleurs experts français en rééducation, cognitive notamment, il fut malgré cela décidé par la France de le représenter aux élections. Une consigne claire fut distillée à tous les officiers généraux, d'une façon ou d'une autre, qui avaient un tant soit peu de pouvoir. Tout le monde devait obéir à Saïd et tout le monde devait aider à la réélection d'un moribond. Tout le monde a été informé que le véritable partenaire du patron français serait Saïd, en attendant de le mettre sérieusement en orbite. Mais ces dirigeants français, détestés par leur propre opinion publique et qui ont été frappés de suffisance, ont perdu toute notion de mesure. Ils ne savent même plus sauver les apparences, ni encore moins ménager leur, j'allais dire partenaire, leur nervi algérien. Maintenant, ils se comportent avec eux comme avec les derniers des commis de second ordre. Dans cette histoire de crash d'un avion d'Air Algérie, justement, dont nous allons parler, même s'il a été affrété à une compagnie espagnole, il reste un appareil, un aéronef, sous la souveraineté algérienne qui appartient, le temps de son affrètement, à Air Algérie. C'était à l'Algérie de gérer la situation de son crash et de l'après-crash, de récupérer les boîtes noires, etc. Or, c'est la France qui a géré la situation, qui a envoyé ses gendarmes sur place, qui a récupéré les boîtes noires et même, suprême injure, qui a décidé de rapatrier en France toutes les dépouilles mortelles, tous les corps de toutes les victimes, y compris celles des Algériens. Hollande a besoin de faire du cinéma pour redorer son blason terni. Alors le faire sur le dos de ses agents algériens, ça ne le gêne pas le moins du monde. Et pendant ce temps, c'est l'aile qui parade des fanfaronnes qui tentent d'expliquer l'inexplicable, comme d'habitude. Encore un peu, il nous dira que c'est le président Bouteflika qui a donné l'ordre à François Hollande de s'occuper de tout, qui n'a pas le temps pour ça. Que c'est triste tout ça. Nous ne reviendrons pas sur toute l'étendue de la carpette que sont devenus les dirigeants algériens sous les pieds d'une certaine France, celle qui encourage Israël à riposter contre les bébés terroristes palestiniens. Nous n'y reviendrons pas parce que l'évidence est là de toute façon, qui parle d'elle-même. Sauf pour ceux qui ne veulent ni voir ni entendre, là, ce n'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit, parce qu'en l'occurrence, il s'agit de gens qui trouvent leur minable petit intérêt dans l'affaire, ou alors de nervis hypocrites et menteurs, ou sinon de gens tellement bouchés à l'imbri qu'ils ne verraient pas un éléphant dans un couloir. Des gens qui se disent politiciens pourtant.
Dans un pays où des gros voleurs se disent capitaines d'industrie, où des soudards se disent hommes de l'ordre, où des corrompus qui monnaient leur verdict se disent magistrats. En attendant, François Hollande a géré l'affaire du crash. Il a même décidé de rapatrier les corps en France. Tous les corps, y compris celui des Algériens, sont même un regard de mépris pour son homologue, entre guillemets, algérien, circulé, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, en guise des trois journaux que nous vous présentons d'habitude, nous allons vous présenter une seule vidéo qui condense à elle seule tout ce qu'on pourrait imaginer d'informations dans la presse. Vidéo, s'il vous plaît. Observer les éléments d'information et également les dépouilles. Le second sujet qui a été le plus douloureux, c'est de savoir comment identifier les corps, comment les ramener ici en France. J'ai donc décidé de faire en sorte que les équipes qui sont sur place puissent, le temps nécessaire, faire le travail de regroupement des corps et d'identification. Et lorsque ce sera possible, tous les corps seront ramenés en France. Je dis bien tous les corps de tous les passagers de ce vol. Les familles qui le voudront, le moment venu, sur le site, là où s'est passé le drame, de façon à ce que ces familles puissent avoir un lien avec cette terre, là où sont disparus leurs proches. Et sur cet emplacement, j'ai évoqué ce sujet avec les autorités maliennes, qui en sont d'accord. Il y aura un signe qui sera placé là, une stèle qui sera érigée pour que nul n'oublie que dans cet endroit, sur ce site, ont disparu 118 personnes. Que dire? Que dire? Il n'a même pas eu l'élégance, la moindre petite élégance de dire, de nous mentir, de dire après consultation de Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika, parce qu'ils ont l'habitude de le faire hein, pour nous faire croire que Bouteflika est tout à fait normal. Même pas ça, même pas. À la limite, il a consulté les autorités maliennes pour ériger une stèle sur l'endroit, à la limite, bon. Mais l'Algérie, pas un mot, pas une allusion, pas la moindre petite politesse, alors qu'il rapatrie les Algériens tombés morts dans un crash d'avion d'Air Algérie, affrété par Air Algérie, même pas la plus petite pudeur de dire « J'ai consulté mon homologue algérien, nous avons décidé de commun de rapatrier les corps en France pour des mesures techniques ou ceci. » Rien, même pas. Ça veut dire maintenant, il est en territoire, en pays reconquis. Avec nous aujourd'hui, Maître Hakim Sahab. Merci de nous avoir rejoint, Maître. C'est à moi de vous remercier. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Alors, dites-moi, Maître, qu'est-ce que vous pensez de cette outrance, de cette... Je n'arrive même pas à qualifier, je ne trouve plus mes mots aujourd'hui. Permettez-moi d'abord, cher Jamel, de témoigner ma profonde affliction et notre soutien à toutes les familles des victimes. Et nous nous inclinons solennellement devant leur mémoire pour dire, justement, et répondre à votre question, qu'il s'agit franchement d'une situation hallucinante. Nous avons l'impression que les pouvoirs publics algériens, que le régime actuel a oublié ou fin d'oublier ou d'occulter qu'il s'agit d'abord d'un vol d'Air Algérie, donc d'une entreprise publique nationale. Et il est vrai qu'il y a cette situation, on le voit à travers notamment cette gestion qui reste caractérisée par une certaine fébrilité, qui reste marquée par une frilosité du régime algérien, du pouvoir, en tout cas des pouvoirs publics qui ne veulent pas communiquer, et surtout aussi par l'absence de l'approximation
dans le suivi et dans la communication. Ceci d'une part. Mais d'autre part, il y a plus grave que cela. Il ne s'agit pas que d'un simple retrait. C'est plus un effacement. Le RCD l'avait dit d'ailleurs à travers le communiqué qui avait sanctionné ses travaux, donc les travaux de son secrétaire national. C'est un effacement devant une tutelle omniprésente, j'allais dire même omnisciente. On vient d'entendre sur Maharibia, encore une fois, le ton solennellement unilatéral, hein, solennellement unilatéral du chef de l'État français, donc de l'ex-colonisateur d'hier. Et ce retrait, cet effacement, de mon point de vue, illustre de manière caricaturale, un, premièrement, l'incurie et l'incompétence des pouvoirs publics. Mais plus grave, il illustre aussi les égarements de la diplomatie algérienne qui sont isolés au plan de. Donc, il y a un isolement diplomatique très accentué, notamment depuis les 3 mandats de l'actuel chef de l'État. Plus grave aussi, il marque, il caricature les reniements du pouvoir actuel, sa soumission face justement à l'ex-colonisateur. Et ça, c'est franchement très grave, d'autant plus qu'il s'agit, et vous le dites si bien dans votre introduction, d'un vol, d'un crash qui a touché, qui a endeuillé d'abord une entreprise nationale. Le C'est problème, une. oui. Oui, alors ce qu'il y a, ce que tout un chacun remarque, tous les citoyens algériens aujourd'hui, parce que, à la limite, nous sommes pratiquement 100 jours après une élection. Une supercherie, une parodie d'élection que tout un chacun et que nous avions eu à discuter longuement et à décrier durant son déroulement, y compris avec votre chaîne Maghribia, c'est 100 jours après. Et nous sommes, donc ça nous reste, malheureusement, ça corrobore toutes nos appréhensions, y compris les vôtres. Nous sommes, donc c'est un 4e mandat. De plus, du million pour le peuple algérien, qui marque de manière éclatante le statu quo comme option politique nationale, mais également il marque un recul de la souveraineté nationale dont nous n'avions pas cessé de chanter et de clamer depuis 1962. Donc, c'est condamné après. Et un Il est vrai, recul. ce qui nous marque le plus, et tout le monde dénonce, y compris tous les. Quand je dis, je pense qu'il y a un consensus autour des partis d'opposition, en dehors de ceux, les Réto, les Mouelfen Réto, donc de l'alliance présidentielle. Mais sinon, il y a une défection dans la communication des pouvoirs publics. Il y a une absence singulière, trop parlante, voire même humiliante, du chef de l'État, et qui contraste, vous le disiez tout à l'heure, avec la présence médiatique fortement soutenue et accentuée du président français, qui ne s'accommode plus, en tout cas, du protocole ou disons justement des règles de bienséance, puisqu'il nous considère comme étant presque une succursale. Il va rapatrier, Absolument. y compris Y compris les les Algériens. efforts des Ouais. Algériens, Mais de nos justement, compatriotes. ce recul dans la souveraineté, si je peux me permettre un terme impropre, il va crescendo. Hein, si on peut reculer en allant crescendo, c'est un peu impropre comme terme. Mais ça veut dire qu'ils ont commencé un peu doucement, le Val-de-Grâce, où ils se soignent comme s'ils allaient à la clinique de son quartier à Alger. Puis les Invalides, dans le secret le plus total. Les seuls à disposer de la véritable situation du président étaient les Français. Et d'abord, lorsque je dis Français, je tiens à préciser que je ne parle pas de la France officielle. Je parle des gens, même s'ils ont été élus normalement, pas comme nous, hein, qui sont Bien sûr. devenus un réseau, qui sont devenus un lobby, qui sont devenus un groupe, qui sont devenus une France informelle qui gère la situation de l'Algérie de façon informelle. En toute opacité, dans le secret, et nous savons très bien que le régime algérien arrose très généreusement des personnalités politiques et ils financent leurs campagnes électorales, je le dis en prenant toute ma responsabilité personnelle. Mais sinon, pourquoi je vous disais que ça va crescendo? C'est parce que ça a commencé donc par les Val-de-Grâce, où on voyait le président recevoir ses invités sous la photo du président Hollande,
Puis des secrets, personne ne pouvait entrer, aucun journaliste. Et qui gardait, qui assurait le cordon sécuritaire autour du président pour que la presse ne lui parvienne pas, c'était les Français. Puis les Français décident de le faire rééduquer par les meilleurs experts de France en matière de rééducation cognitive pour qu'il apprenne à prononcer trois phrases et à coordonner deux phrases. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de le faire réélire. Et comme il soutenait déjà Saïd Bouteflika depuis 2005, qui était le véritable chef de l'État depuis 2005, depuis le premier AVC du président dont personne n'a parlé, ils ont parlé de son problème d'estomac, de cancer, etc. Mais on n'a pas parlé du premier AVC. Et ils ont décidé que ce serait Saïd Bouteflika qui serait le véritable chef de l'État. Ils ont opéré des pressions et d'autres, menaces, chantage, corruption, etc., avec tout le haut commandement, avec tous les barons du régime, pour leur dire, Saïd Bouteflika est notre poulain, vous le soutenez. Mais le problème, c'est que cette coopération mafieuse d'en dessous, ce qu'elle a induit, c'est que l'Algérie s'est mise à plat ventre. Ils ont commencé, par exemple, par ouvrir le ciel algérien au bombardement de nos voisins maliens, puis des tas d'autres choses comme ça, puis le défilé de l'armée algérienne au défilé du 14 juillet, puis ceci, puis cela, et ça n'arrête pas. Et aujourd'hui, un crash d'un avion de la compagnie aérienne algérienne, sous souveraineté de l'Algérie, qui est prise en charge directement par le chef de l'État français, d'une façon, mais alors, outrageante, d'une façon offensante, non pas pour le régime, non pas pour ses nervis, mais pour le peuple algérien dans son entièreté. Voilà, moi ce que je déplore, c'est que ça va crescendo. Et la question que je vous pose, jusque où ça va s'arrêter? Hakim Saheb? Oui, je vous écoute, oui. Donc, oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que, d'abord, cette absence confirme cette absence du président, ne serait-ce que pour présenter les condoléances de la République algérienne, de la nation, aux familles des victimes. Signe, si vous voulez, ou plutôt confirme l'image d'un chef d'État, en tout cas, hors du temps, loin de son pays, voire même inexistant. Il confirme également, et je suis tout à fait d'accord avec vous, la vacuité, voire même des institutions de façade. Cela voudrait dire que nous avons formellement un chef d'État, mais qui ne remplit pas ses fonctions sur le terrain. Mais plus grave, je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le terme n'est pas approprié en parlant de recul, parce que l'Algérie a-t-elle été un jour souveraine depuis 1962? Elle pose en tout cas de manière crue le débat sur cette question. D'autant plus, et nous n'avions pas cessé d'alerter l'opinion publique en disant qu'il y a comme une équation entre la souveraineté nationale et l'illégitimité des institutions. C'est-à-dire les coups de force opérés lors des élections électorales pour choisir, avec le soutien justement des puissances occidentales, notamment de françaises, font qu'aujourd'hui, il y a comme une équation. Nous avons l'impression que ce n'est plus une coopération entre deux États indépendants, adultes, mais ce sont plutôt des relations. Vous le dites si bien, d'abord inégales, qui sont loin d'un partenariat, puisqu'ils sont gagnant-gagnant au profit unilatéralement toujours de l'ex-puissance coloniale. Mais en même temps, je vous le concède, c'est que nous avons l'impression, et aujourd'hui les langues se délient de plus en plus, que l'Algérie constitue une simple succursale au profit donc de l'ex-colonisateur. Voilà un peu, ça ne partait pas crescendo. Moi, je pense que depuis, depuis la mise en, le coup d'État, j'allais dire opéré, c'est une conséquence logique, c'est un aboutissement de tous les reniements que nous avions, c'est-à-dire auquel l'État algérien, auquel, c'est-à-dire le pouvoir ou la secte
qui s'est imposé depuis 1962 de par ses concessions, de par ses reniements. Et bien évidemment, le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons une Algérie avec des institutions complètement insignifiantes, dévoyées, soumises, et nous avons aussi une opinion publique qui essaie, tant bien que mal, d'alerter, d'attirer l'attention, de voir, c'est-à-dire de dénoncer et de considérer qu'on ne peut plus continuer de cette façon, parce que, en tout cas, le constat est amer. Voilà Et ce que je voulais dire. est-ce C'est que que vous avez, la souveraineté nationale a été aggravée et on comprend aujourd'hui que le Val-de-Grâce, le séjour au niveau du Val-de-Grâce, les concessions économiques faites à l'ex-colonisateur, s'assimile comme étant une manière de revendiquer, de commander et d'acheter la bénédiction donc de cet ex-colon pour s'asseoir de manière autocratique, de manière despotique et essayer de soumettre évidemment le peuple algérien. Mais est-ce que ce n'est pas, encore une fois, l'occasion qui se présente sur un plateau pour la classe politique, un tant soit peu honorable, soit-elle, de dire, de crier, de hurler, de taper sur la table et d'affirmer que les dispositions de l'article 88 de la Constitution s'appliquent plus que jamais? Puisque là, nous voyons que ce président est vraiment impotent, au point de se laisser subtiliser la souveraineté de son pays, sans pouvoir dire un seul mot, dans une tragédie nationale où il ne peut même pas présenter de condoléances aux familles. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour la classe politique de monter au créneau, de dire basta, nous voulons l'application de l'article 88? Je pense que l'article 88 devrait s'appliquer lors de son séjour et lors de au lendemain de son hospitalisation. Oui, mais ce ne Et l'a pas cela, été. Cela ne mais l'a pas été. effectivement, nous sommes à un moment crucial, donc nous sommes au rendez-vous de l'histoire, parce que le changement ne peut plus attendre. On ne peut plus trahir cette opportunité, ne serait-ce que du fait que, je vous le disais, je le dis et je le réaffirme au nom de notre parti, par exemple, au nom du RCD, qu'il y a comme une espèce de trahison de la souveraineté nationale, qu'il y a une espèce de soumission, et plus qu'un égarement cet état de fait, si vous voulez, matérialise une déchéance, une déliquescence de l'État et de ses institutions. Et qu'il est urgent aujourd'hui, justement, de travailler, d'œuvrer à converger, à faire fédérer toutes les forces patriotiques de ce pays pour dire basta à un régime qui a plus que renié la mémoire de ses martyrs. Maître Hakim Sahab, je vous remercie. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir donné la position du RCD qui est très honorable, je le reconnais. En espérant vous revoir bientôt sur la chaîne Maghrébi, on vous reçoit toujours avec plaisir, Maître Hakim Sahab. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Azulfillahoun, Sahav Torkum. Et surtout, si c'est l'Aïd demain, عيدكم مبروك.